suis nul en technique, je suis nul en informatique. Jamais je pourrais mettre en place quoi que ce soit pour le développement de mon activité de coach ou de thérapeute. Comment faire pour sortir de ça? Comment faire pour avancer quand on est nul en technique, quand on est nul en informatique, quand on a du mal avec la nouveauté, quand on a du mal avec toutes ces techniques, ces technologies des années 2022 et plus? Comment faire pour sortir de tout ça? Comment faire tout simplement pour avancer? Je te parle de tout ça dans cette vidéo juste après le jingle. Alors comment faire quand on considère qu'on n'est pas doué en informatique ou en technique ou dans ces choses, ces technologies là de l'information, ce genre de choses. Moi j'aimerais déjà dans un premier temps te faire comprendre un certain nombre de choses par rapport à ça. Laisse-moi juste te raconter une petite histoire déjà qui, je pense, va t'aider déjà à évoluer, à faire évoluer ton point de vue par rapport à tout ça. Quand j'étais enfant, j'étais convaincu que j'étais nul en mathématiques en fait. Ce qui se passait, c'est que quand j'étais enfant, dès qu'on me demandait de faire du calcul mental ou des choses comme ça, j'avais du mal. J'étais toujours en train d'essayer de compter sur mes doigts, machin, comme ça, là, pour faire une addition, pour faire une soustraction, pour faire une multiplication, etc. Et j'avais l'impression d'avancer moins rapidement, moins vite que les autres. Par conséquent, bah, je me mettais la pression parce que je me comparais avec les autres élèves qui avaient l'air d'être beaucoup plus malins que moi, beaucoup plus intelligents, qui avaient les résultats beaucoup plus rapidement que moi. Donc j'étais convaincu que j'étais nul en maths en fait. Et ce qui se passait, c'est que plus on avançait au niveau des classes, plus je passais des niveaux en classe et plus je gardais cette croyance que j'étais nul en mathématiques. Par conséquent, j'étais convaincu que j'étais nul et les résultats que j'avais étaient en conséquence avec ces croyances-là. Jusqu'au jour où un instituteur se rende compte en fait de ce délire dans lequel je m'étais plongé moi-même et m'accompagne justement à faire évoluer tout ça, à faire changer tout ça. Et c'est une des rares personnes qui avait compris en fait l'importance à l'époque, l'importance des croyances. Et je le remercie, donc j'ai beaucoup de gratitude pour lui d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui m'a permis de gagner en confiance par rapport à ça. Parce qu'il m'a aidé justement, alors je ne sais pas s'il l'a fait de façon consciente ou inconsciente, mais en tout cas, il m'a aidé à faire évoluer mes croyances par rapport à ça. Il m'a tellement bien aidé à faire évoluer ces croyances que j'ai réussi à m'améliorer énormément en mathématiques. À tel point que par la suite, j'ai eu des super résultats en mathématiques. J'ai obtenu, je me souviens, au niveau du brevet des collèges, j'ai obtenu la deuxième note en maths de mon collège. Et par la suite, j'ai fait des études plutôt scientifiques. Je fais un bac scientifique, j'ai eu une mention avec un bac scientifique et par la suite, j'ai continué dans des études scientifique. Si j'étais resté sur cette croyance à la con que j'étais nul en maths, je pense que je ne serais jamais allé dans ce domaine. Et sans doute que je pense que tu ne serais pas en train de me regarder en vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout est, il y a un lien, il y a une raison à tout en fait. Voilà, donc beaucoup de gratitude pour cette personne qui m'a permis de faire évoluer mes croyances. Maintenant, moi je suis intimement convaincu que c'est exactement pareil pour les personnes qui croient qu'elles sont nulles en technique. C'est exactement la même chose pour les personnes qui pensent qu'elles sont pas douées pour l'informatique ou ce genre de choses, ce genre de trucs pour la technique, informatique, nouvelles technologies, etc., etc., etc. Pourquoi je le sais? Parce que je sais que tout est croyant. Et des personnes qui avaient ce type de croyance là, en fait, j'en ai accompagné des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc c'est même pas une histoire d'âge, j'ai pu accompagner des personnes qui avaient plus de 50, plus de 60 et même plus de 70 ans en fait, à évoluer sur ces aspects-là. Donc ce sont des personnes qui ont mis en place par elles-mêmes leur masterclass automatisée, elles ont mis en place un tunnel de vente automatisé, etc. On les a aidées bien sûr, mais c'est elles qui l'ont fait. On les a aidées par-dessus l'épaule, mais c'est elles qui l'ont fait. Comment elles ont réussi à le faire? Principalement en faisant en priorité évoluer ces croyances. Ces croyances qu'elles étaient nulles en technique. Comme moi, cette croyance selon laquelle j'étais nul en maths, par exemple. Voilà comment ça fonctionne, en fait. Et donc, la grande priorité, déjà, c'est de comprendre ce truc-là. La clé numéro 1 que je voulais te dire, déjà, c'est comprendre que ces croyances-là, ce ne sont pas les tiennes, finalement. C'est des croyances dont tu as hérité, voilà, un jour ou un autre. Peu importe comment tu les as obtenues, ces croyances. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce sont des croyances qui sont arrivées comme ça, un jour, dans ta tête. Petit à petit, tu les as validées. Plus tu les as validées, plus elles ont pris de la place dans ton esprit, et plus elles ont pris de la place dans ton esprit, et plus tu les as confirmées, et plus tu as adopté des comportements qui confirment ces croyances, et plus par rapport à ce comportement, je suis nul en technique, plus tu as confirmé que tu étais nul en technique. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc l'idée déjà, le clé numéro 1, c'est de prendre conscience de ça, et puis surtout de prendre conscience que ces croyances, elles sont arrivées un jour dans ta tête, mais ce ne sont pas les tiennes. Petit à petit, le but, ça va être de remplacer ces croyances par d'autres en fait, des croyances qui vont être beaucoup plus constructives. Donc ça, c'est la clé numéro 2, identifie ces croyances, chacune de ces croyances, et remplace-les par d'autres qui seront beaucoup plus constructives, qui vont te permettre d'avancer, te tirer vers le haut, et surtout qui vont te permettre de mettre en place les choses par toi-même, parce que t'es pas plus bête que d'autres personnes, t'as un cerveau, et l'idée c'est vraiment de réexploiter, de recomprendre comment marche ton cerveau, et de le mettre à ton service, tout simplement ce cerveau. Ce cerveau que t'as mis en jachère pendant tant d'années, avec ses croyances à la con, maintenant bah, tu vas pouvoir le mettre à ton service en adoptant un nouveau système de croyances. Ensuite, bah, dans tes numéros 3, tout simplement, le but va consister... Mais l'opération va consister à ancrer ces croyances profondément pour qu'elles qu'elles fassent partie de ton système, ton nouveau système de croyances, ton nouveau système de pensée, que tu commences à te raconter une histoire différente qui est « plus les jours passent et plus je deviens bonne en technique » ou « bon en technique ». Cette nouvelle histoire que tu vas te raconter, bah, tu vas la valider en fait, avec des résultats. Tu vas la valider en mettant en place des choses et tu pourras constater que les choses que tu vas mettre en place, tu les mettras en place avec facilité, avec amour, et tu vas commencer évidemment à beaucoup plus te considérer parce que tu vas voir que tu es capable de le faire aussi bien que d'autres personnes. Évidemment, les personnes qui arrivent à ce niveau-là, on les aide à faire évoluer leurs croyances, on les aide à mettre en place également les choses parce que ben, pour une personne qui pendant 30 ans, plus de 30 ans, 40 ans ou plus, ben, se considère comme nul en quelque chose, c'est sûr que le changement ne se fait pas en quelques heures comme ça. Donc ça demande également du travail, ça demande des exercices, mais c'est tout à fait possible de le faire, tout le monde en est capable. Voilà, donc si en priorité, tu as du mal avec ça, donc sache qu'il y a, il y a du boulot à faire, mais si tu veux réellement devenir la personne qui est en mesure d'obtenir de nouveaux résultats, bah, en priorité, désolé de te dire ça, mais en priorité, ce qu'il faut changer, c'est pas le monde extérieur, c'est pas trouver des solutions pour compenser en fait tes manques. Le but de l'opération, ça va être de changer ton système de croyance, de changer les histoires que tu te racontes pour devenir la personne en mesure eh bien, de mettre en place les choses, de comprendre quelque chose. Parce que je vois tellement de personnes qui ne veulent pas toucher la technique à cause de ces croyances et qui se font, mais entourloupées, tu peux même pas imaginer à quel point, par des personnes justement qui profitent de ça, qui profitent de ces faiblesses, de ces croyances et qui vont mettre en place des choses pas forcément toujours de la bonne façon parce que la personne va se dire non mais moi je veux pas y toucher, la technique je veux pas y toucher, je veux pas y mettre, je veux même pas essayer de le comprendre. Et bah ouais, mais le problème c'est que quand tu veux même pas essayer de comprendre quelque chose, ne viens pas te plaindre si derrière t'as une personne qui va profiter de toi et qui va profiter du truc parce que t'auras même pas fait l'effort d'essayer d'y comprendre quelque chose. Voilà, donc c'est ça qui est important également à comprendre. Si tu veux vraiment avancer par toi-même et plus tard déléguer cette partie-là, déjà en premier lieu, tu dois être en mesure de comprendre ce qui se passe. Toutes les personnes qui sont victimes de ça, mais dans tous les domaines, hein, toutes les personnes qui se font entourloupées dans tous les domaines, hein, même que ce soit dans la construction d'une maison, que ce soit dans la pose d'une climatisation, dans la pose de je ne sais quoi, sont des personnes qui ont renoncé à faire l'effort d'y comprendre quelque chose. C'est vraiment radical et si tu veux vraiment avancer, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire en changeant ton système de croyance. Et changer son système de croyance, comme tu l'as vu, c'est facile et rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like en dessous de cette vidéo et puis abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de la communauté, ne rien manquer. Comment continuer à évoluer parce que le contenu que je produis est fait pour te faire évoluer, te faire grandir, enfin t'aider à grandir en tout cas. En tout cas, je l'espère. Dernier point, j'ai mis en place pour toi une formation qui va t'aider si tu souhaites mettre en place une activité qui cartonne en t'aidant de la technologie des années 2022 et plus. Je te laisse regarder cette formation où j'explique tout comment faire pour mettre en place le système qui va révolutionner ton activité et ton business. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!